À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi une marée noire? Une marée noire, c'est une catastrophe écologique qui se produit quand une énorme quantité de pétrole se retrouve dans la mer. La flaque gluante et toxique flotte à la surface jusqu'à ce que les vents, les courants et les marées la précipitent sur le rivage. Ce pétrole s'échappe le plus souvent d'un bateau ou d'une plateforme pétrolière endommagée. Qu'est-ce qu'on peut faire contre une marée noire? Dès que l'alerte est donnée, des équipes spécialisées sont envoyées pour colmater la brèche par laquelle le produit fuit. Si c'est un bateau qui est impliqué, le pétrole encore à bord est pompé. Celui déjà dans l'eau est entouré par des barrages flottants et aspirés. Le liquide, super visqueux, peut aussi être capturé par des filets tirés par des chalutiers. Autre option, saupoudrer la flaque d'éponges ou de copeaux de bois et les repêcher dès qu'ils ont tout absorbé. D'autres barrages sont dressés près des côtes menacées et jouent le rôle de boucliers. Et puis, les équipes secourent les animaux qui se sont englués dans la boue noire. Si besoin, les pays voisins arrivent en renfort pour aider le pays touché à mener toutes ses opérations de dépollution. Et pour éviter de nouvelles marées noires, les nations s'associent aussi pour imposer des règles de sécurité aux navires pétroliers qui voyagent de mer en mer. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.